Salut à tous, Eric Legault de Chicago Music. Alors j'ai sélectionné pour vous un morceau que je trouve très très beau, je pense pas être le seul à partager cet avis. Il s'agit du morceau Mad World, qui est à la base un morceau de Tears for Fears, qui était sorti en 1982, qui était un tube déjà à l'époque, et qui était repris de manière un peu plus sobre, disons, en 2001 par Michael Andrews et Gary Jules, et qui a servi également de BO au film Donnie Darko. Donc j'avais déjà fait un tutoriel à la guitare sur ce morceau, que vous pourrez trouver ici si jamais ça vous intéresse. Dans ce tutoriel, j'avais suggéré de mettre un cabodastre en 8ème case pour que ça puisse sonner comme l'original, mais le tuto de piano, là je vous l'ai fait en La mineur. Le morceau original normalement est en Fa, mais dans cette tonalité, ce qui est pratique pour les pianistes, c'est qu'on ne trouvera qu'une seule touche noire, donc je souhaitais que le plus de monde possible puisse avoir envie et le plaisir de jouer ce titre. Donc si vous souhaitez le jouer à deux, le guitariste n'aura même pas besoin de capodastre. Pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas mettre les partages de piano sur mon site. En revanche, j'ai trouvé un site hébergeur et qui va devenir partenaire, qui s'appelle Jelly Note, que vous connaissez peut-être. Je vous invite à consulter leur site si vous souhaitez télécharger la partoche que j'aurais mis chez eux. Voilà, bah écoutez, rendez-vous à vos claviers et à tout de suite. Alors dans ce morceau, on va trouver deux grandes sections que j'ai notées partie A et partie B. Donc, le Do du milieu est ici, si vous y retrouvez. Et donc, à la main gauche, dans la partie A, il n'y aura que deux accords. Le premier accord serait un La mineur. Voilà, on va le jouer La, Do, Mi. Donc si vous ne savez pas trop ce que c'est un accord majeur, un accord mineur ou comment les construire, j'ai fait spécifiquement trois cours exprès pour vous, débutants, qui souhaitez découvrir les joies de l'harmonie. Donc vous pourrez suivre ces cours ici, ici et ici, afin de découvrir le monde merveilleux de la construction harmonique. Alors donc, je reviens à mon sujet, la main gauche, premier accord, La mineur. D'accord, au niveau des doigtés, on peut faire 5 petits doigts sur le La, 3 sur le Do, pouce sur le Mi, ou bien, la plupart du temps, 4, 2, 1. Ça marchera également très bien. Ok, c'est le premier accord. Le deuxième accord, on va faire un Ré majeur. Donc on va chercher la note Ré en dessous. On aurait pu la faire là, mais comme la main droite elle joue par-dessus, on serait bien embêté. Donc on la prend une octave en dessous. Et donc accord majeur, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Voilà, Ré majeur, on est content. Au niveau de la rythmique, ce qui est très pratique dans ce morceau, c'est que c'est hyper régulier. Donc le motif rythmique de la main gauche sera toujours la basse en premier, et ensuite les deux notes du dessus. Et on joue des noirs, c'est-à-dire pour faire une mesure de 4 temps, on va faire 1, 2, 3, 4. Ok, fin du motif rythmique, ce sera ça partout. 1, 2, 3, 4. Dès que vous avez fait ça, on va vite rameuter le 4 sur le Ré en dessous, et on va faire pareil. 1, 2, 3, 4. Ok, fin du schéma. Donc la partie A pour la main gauche, c'est uniquement une mesure de La mineur, ensuite une mesure de Ré majeur, 3, 4, et on refait la même chose, une mesure de La mineur, clac, et une mesure de Ré majeur. Ouais, vous savez faire la main gauche de la partie A. Alors pour la main droite, on va commencer sur le Do, qui est donc une octave au-dessus du Do du milieu, et on va placer le 3 dessus. La phrase en question va donner. Comment j'ai fait ça? Eh bien j'ai passé donc mon 3 sur le Do, après j'ai fait le Mi avec le petit doigt, après Si avec le 2, après Do à nouveau avec le 3, le La avec le pouce, et là faites gaffe, je propose en tous les cas le 3 sur le Si, d'accord, on pourrait se débrouiller à placer le 2, mais je pense que le 3 c'est plus pratique parce qu'après on a besoin du Sol avec le pouce. Donc je vous refais les quelques premières croches, Do, Mi, Si, Do, La, Si, Sol. Après on passe le 3 par-dessus, on va chercher le Fa dièse. Quand vous passez un doigt généralement par-dessus le pouce ou quoi, on ne sort pas le poignet comme ça, hein. Je veux pas de ce genre de truc. Oh non, 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 il n'y a pas besoin. Sol, hop là, ça passe par-dessus, très élégamment, Fa dièse, et on atterrit sur le Ré, au niveau du pouce. Donc la première mesure, c'est donc 8 croches. Je propose qu'on attaque directement les mains ensemble. Donc, on rappelle, la main gauche fait des noirs à cette vitesse-là. D'accord, 3, 4. Et la main droite fait des croches. Les croches, ça va deux fois plus vite qu'une noire. Ça veut dire qu'on mettra deux notes à la main droite pour une seule à la main gauche. Ça va donner ça. D'accord, encore. Jouer le Ré pouce à la main droite, et au moment où on attaque le Ré de la main droite, faut vite se déplacer pour que le Ré de la main gauche arrive en même temps. 2, 3, 4. Ok, encore ça, et j'enchaîne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
petit truc, il y a une, ce qu'on appelle une syncope, c'est-à-dire que la note Do va venir sur le E du quatrième temps. On pourrait l'attendre sur le premier temps de la mesure qui arrive, mais non, il y a une petite surprise. Donc ça donne ça. 1, donc je reprends sur la deuxième mesure. 1, 2, 3, 4. Do, 1. Vous voyez ? Donc je suis parti sur le E du 4 au Do, et la main gauche atterrit sur sa troisième mesure premier temps, sur le retour de la mesure de la mineure. Donc je reprends sur cette syncope, là, la fin de la deuxième mesure, et je vous montre la troisième mesure, ce que ça donne à la main droite. Donc je reprends sur le E du 4 sur le Do. Donc 3, 4, Do, 1. Mi, Si, Do, La, Si, Do, Ré. Ok. Je vous refais à partir de la mesure 2. Donc on était sur le Ré à la main droite, là. 1, 2, 3, 4, Do, Mi, Si. Donc du coup, j'attaque directement maintenant, mains ensemble, la troisième mesure. Donc la troisième mesure commençait sur la note La, on était revenu sur le La mineur. Donc le La ici vient tout seul, hop, et le Mi, petit doigt de la main droite, va venir juste après. Donc genre, 1, et 2, et 3, et 4, et encore. Main gauche premier temps, sur le La. Et paf, la main gauche fera 4 temps toute seule de l'accord de Ré majeur. Donc je vous refais toute la partie à pas vite du tout. 1, 2, 3, 4, 1, 2, c'est très long quand on prend à cette vitesse là. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, une fois plus vite, et après on attaque la partie B. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Alors, on attaque la partie B. Pour la main gauche, on va trouver exactement 4 accords. On va reprendre une mesure complète de La mineur, qu'on fera toujours avec dans ce système d'accompagnement-là, une mesure comme ça, suivi ensuite d'une mesure de Do majeur. On va le prendre au plus près, c'est-à-dire ici. On place le 4 sur le Do, après le 2 sur le Mi, le pouce sur le Sol. Et là, on fera pareil, donc même système d'accompagnement. La troisième mesure de la partie B, on ira chercher ensuite le Sol en dessous pour faire un accord de Sol majeur. Ah, pareil, hein. Et après, on retrouvera un accord de Ré majeur qu'on va faire cette fois-ci plus aigu. Les accords dans l'ordre plaqué, c'est La mineur, Do majeur, Sol majeur, Ré majeur, et après on retrouvera notre La mineur. Donc je vous enchaîne un peu plus vite les 4 mesures de la partie B pour la main gauche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, fin de la partie B. Voilà, donc je ne vous ai pas précisé que ce qu'on a vu là, c'est la phrase 1 de la partie B. Il n'y a que deux phrases, hein, vous inquiétez pas. Donc la phrase 1 pour la main droite va donner ça. Le premier temps n'a rien du tout. Donc genre 1. Ensuite. Et ensuite. Vous voyez, donc tout se joue. Vous êtes déjà placé dès le départ, en fait, si vous avez bien votre pouce ici. Votre petit doigt sur le Mi, on va jouer sur toutes ces notes-là en fait. Donc, rythmiquement, c'est que des croches quasiment, mais il y a plein de syncopes, donc il faut faire un petit peu attention là. Donc les syncopes, je vais les signaler en faisant un... Ça veut dire que je vais allonger ma note, et qu'au lieu de la rejouer, donc je remplace par le... ce petit son-là. Ce qui va donner, du coup, 1... Alors, je vais le refaire une petite fois en comptant les temps cette fois-ci. 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ensuite, 1 et 2.
Ok, essayons mains ensemble. Alors dans la première mesure, on est tranquille, il n'y a pas de syncope. Donc le premier temps, par contre, de la main gauche est joué tout seul. 1, 2, et 3, et 4, et voilà. Deuxième mesure, la main gauche se déplace sur Do majeur, et on fait 1, et 2, et 3, et 4, et... Comment j'ai fait, hein? J'ai placé deux croches à la main droite pour une noire à la main gauche. 1, et... À l'endroit du... C'est là que la main gauche elle joue, et pas la main droite. Mais la main droite garde sa note enfoncée. 1, et. Encore ça. 1, et. Encore. Troisième mesure, c'est exactement le même placement rythmique que la mesure 2. Sur les notes Ré, 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 Si. 1, et. La mesure 2 et 3, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et la quatrième mesure, la main gauche va venir faire un Ré majeur ici et la main droite va faire donc Ré, 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 Do, Si, La. Alors on essaye de placer ça mains ensemble. Ré, Ré, alors à cet endroit-là, il faut faire attention parce que la main gauche est en train de jouer un Fa dièse La. Donc il ne faudra pas que le pouce de gauche trade pour que le pouce de main droite puisse le remplacer à la fin de la mesure 4. Donc 1 et 2 et 3 et 4. Là on est bon. Par contre, au moment où le pouce va atterrir, il faut que lui, là, à la main gauche, soit parti. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et la main gauche reviendra sur son La. Encore la mesure 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et on recommencerait pareil. Alors toute la phrase 1 mains ensemble de la partie B. 3, 4. 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Cette phrase 1 de la partie B, vous la faites 4 fois. Et à la quatrième fois, on va changer un tout petit truc pour introduire la phrase 2. Donc disons que c'est la quatrième fois de cette phrase 1, partie B. Ça va donner ça. 1, 2, ça commence exactement pareil. Le changement a lieu sur la quatrième mesure. Troisième mesure. Et là, attention. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et bien ici, à la main gauche, j'ai plaqué mon accord de Ré majeur au lieu de faire ce truc-là. Ce qui donne du coup 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà. Donc voilà maintenant la phrase 2 de la partie B. Au niveau de la main gauche, c'est très tranquillou. Hein. On va avoir une mesure en La mineur, puis une mesure en Ré majeur. Encore une mesure en La mineur et une mesure en Ré majeur. Et on n'aura que ça, avec toujours ce système d'accompagnement-là. Ré majeur. Ok, à la main droite. Donc là c'est pareil, le premier temps n'est pas joué, c'est la main gauche qui le fera. 3, 4, 1. La, la, do, do, mi, mi, fa, ré. Ré, fa, fa, ré. Donc, premier temps pour rien. 1. La, la, do, do, mi, mi, fa dièse, ré. Quasiment tout le job. Donc avec les deux mains, 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. D'accord. Petite fois encore. 1, 2, 3, 4, 1. Ok, dès que vous avez fait ça, donc les troisième et quatrième mesures vont ressembler très fort aux deux précédentes, si ce n'est que ça va donner ça. Donc le premier temps entendu, donc 1, 2 et 3.
faire. Alors je vous le refais avec le nom des notes déjà. La, la, do, do, mi, mi, fa dièse, ré, 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 fa, fa, ré, ré, la. Ok, en comptant les temps. 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok, mains ensemble. 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà, et là vous avez quasiment terminé le morceau. Alors bilan maintenant, toute la partie B. Let's go. Par-dessus tout ça, vous pouvez bien sûr ajouter de la pédale, vous la changeriez à chaque mesure. En gros, dès que ça change d'harmonie, vous changez. Donc démonstration sur la partie A, je place la pédale dès le début. J'attaque mon premier temps ici, et dès que je vais avoir fait entendre le ré-ré, hop, c'est à ce moment-là que le pied se relève et réappuie encore. C'est qu'il faut le changer tout de suite après le premier temps. Alors pour terminer, une fois la vraie vitesse, partie A et partie B au plus court. 3, 4. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il n'était pas trop long, hein, c'est toujours un peu ma hantise, ça, et surtout qu'il était efficace. N'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu, à en parler à vos amis, ou même à vous abonner à ma chaîne. Et puis pour changer, je vous dis bonne musique et à très bientôt. Ciao.